AKA, c'est encore Rodolphe Mona Sarcel, toujours en enquête de fidélité dans la ville de Douala. Et là, on a vu un chameau, jeune homme, bien habillé, sapé comme jamais. On va essayer de le prêter au jeu. Viens, Mola, viens. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Ça vous dérange pas de jouer un jeu avec nous? De quel jeu s'agit-il? C'est un jeu qui consiste à vérifier la fidélité d'une relation. Ok? Oui, je comprends. Déjà, on va vous poser la première question. Est-ce que vous êtes en couple? Naturellement, je suis en couple. Hein? D'accord. Donc, vous êtes sûr que si on appelle votre copine maintenant, elle va reconnaître vous? Vous, en couple avec elle? Non. On est d'accord? Naturellement. Et le prénom, c'est quoi? Mon prénom? Oui. C'est Junior. Bon, Junior. Tonton Junior. Hein? Junior, tu es sûr que si on appelle la go là? Hein? Elle va dire que... Déjà, comment elle s'appelle ta copine? Elle s'appelle Marie. Tu es sûr que si on appelle Marie, elle va dire non, Junior, ce n'est pas mon Mougou 1, ce n'est pas mon Mougou 2, c'est mon vrai gars. Comment? Il y a rendez-vous avec tout à l'heure, là, tu me dis Mougou comment, gars? Il y a rendez-vous avec maintenant. D'accord, ok. Voilà 20 000. Compte. 20 000, c'est pourquoi? Si elle dit que mon gars s'appelle Junior, la fille qu'on va appeler qui s'appelle Marie, c'est ça? Oui. Tu gagnes les 20 000. D'accord, c'est mon argent déjà, j'ai déjà gagné. Il n'y a pas de souci. Mais on va d'abord récupérer. Junior, gagné. Junior, compose le numéro de la fille. Elle est en tête, je pense pas. Ah, tonton Junior. Tonton Junior. Ah, Lago Marie. Allô? Allô? Bonjour madame, vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous? Ouais, ça va. Moi, c'est Mona Sarcel. Je suis avec un monsieur qui dit qu'il est votre copain. C'est bien Marie? Oui, c'est Marie. D'accord. Madame Marie, il y a un monsieur face à moi qui dit que vous êtes ensemble depuis très longtemps et que vous êtes sa copine. On peut savoir comment... Il y a un monsieur qui est face à moi qui dit qu'il est avec vous depuis très longtemps et que vous êtes sa copine. Déjà, je veux savoir, est-ce que vous êtes en couple, oui ou non? Oui, je suis en couple, mais mon mari est en train de faire ses papiers pour le Canada. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je parle de votre copain parce que le monsieur qui est face à moi dit qu'il est en train de préparer, qu'il prépare la dot pour aller doter sa femme, qui est vous, mari, et qu'il vous aime depuis très longtemps. Alors... D'accord. Je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord, non, peut-être c'est lui, on ne sait jamais. Et votre mari, là, il s'appelle comment? Mon mari s'appelle Vincent. Ah, alors... Attends. Il s'appelle comment? J'ai dit mon mari s'appelle Vincent. Hey. Hey, Marie! Marie! C'est qui? C'est Junior! Hey! Marie, c'est moi Junior, on a rendez-vous maintenant, non? J'ai dit que je ne te connais pas. Attends, je vais te faire le dépôt, hein? Je ne te connais pas. Hey. Je ne connais pas de Junior dans ma vie. Mon mari s'appelle Vincent. D'accord, madame, d'accord. Attends, gang. Mais Junior, peut-être qu'elle ne te connaît pas. Attends, ah, gang, montre le numéro. Montre le numéro. Non! Ouais, oh! C'est le même numéro. Mon frère, attends. Vous voulez qu'on la rappelle? Peut-être qu'elle a fait une erreur. Junior, mon frère, Junior. Junior, ne te mets pas dans cet état. Junior, calme-toi. Laisse comme ça. Junior, viens un peu, mon frère, viens. Voilà, bah, viens, suivons-le. Ah, au revoir. Junior, ne fais pas une bêtise. Junior, regarde moi là, tu vois le gars là. Junior. Regarde, coupe. Ne me dis pas. Non, attends, ne fais pas une bêtise, Junior. Ne fais pas ça, Junior. Regarde moi là, coupe. Regarde, c'est sérieux. Ça va. Ne me suivez pas. Ça va, moi là, coupe. Bodyguard! Pastor.